pas de militante, pas de militant, pas de conseillère, conseiller municipal. Tout un camarade régional, circonscription numéro 19, mais aussi un dirigeant du parti qui présente, et vous êtes merci pour votre présence. Ce matin, nous avons un petit peu réfléchi à nos fonctions de ce soir. Il ramène-moi un an en arrière. Et permettez-moi de mesurer qui vitesse les temps passés. Et si vous structurez-il, si je dis, qui one week is a long time in politics, mais un an c'est un siècle dans politique. Un an de cela, on s'y va, ici même, dans un restaurant-là, on a un programme de notes, on a un programme d'article, la gazette aussi, et il y a bien intéressant. Ici même, donc, un an de cela, on s'y va. Et vous connaissez qui pendant ça un an-là, il fait une année très difficile pour un homme. Ne pas gagner l'amitié, pas être les choses en face, il fait une année très difficile pour un homme. Ce qui est intéressant, c'est que quand nous utilisons les notes, c'est là nos messages. Vous ne connaissez combien parmi eux pour rappel. La plupart sont déjà présents un an, c'est là. Mon message qui était, pas si rimé, si déjà bien à l'envoi. Et mon message ce soir-là, c'était pas de militants, mais un paré, pas tout seul dans l'élection générale. Un an de cela. Il permet de nous mesurer tout ce qui n'est arrivé pendant ça, un an. Mon message donc, c'était pas de militants, mais un paré, pas tout seul dans l'élection générale. Qui faire étudier à ça? Qui faire étudier à ça? Parce que quand nous tisons un an de cela, Rimec, Titeza, mal en point, très mal en point. Alors, qui fait moi insister là, c'est qu'aujourd'hui, un adjoint nous donne l'impression, mais nous n'avons qu'une zèque, à niveau de ça, de ce côté-là, nous n'avons qu'une franc, à venir en boulant de l'autre côté, pas comme ça, ça. Ça, à l'époque-là, il y avait un long débat dans MMM autour du Rimec. Et en fait, Emmanuel, au garçon présent, petit ennemi de sa raison, la journée de janvier l'année dernière. Janvier, il m'est-il cassé? Parce qu'il y a les routes diagonales, il passe sur la tête, il n'est pas en contact, il dit non, il n'est pas pour d'accord. Il finit par d'accord, mais il dit non, il n'est pas pour d'accord. Qui Reza, ultime numéro 3 dans le gouvernement, il met, prenez ce garçon, Ravi Diagnat. Qui est numéro 3. Mais pour une raison évidente, y compris d'unité nationale, surtout, Rimec s'est fini cassé. Après, MSM, Inkilé, MSM, il dit non, 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 souris, non, non, ça, là, par Internet, quand vous pouvez venir comme moi, vous me corrigez. Les dégâts, c'est fini faire. Rimec s'est fini cassé en janvier. Depuis janvier, minimum, jusqu'à ce que Rimec terminé. Quand nous sommes ici un an et non, et c'est là, Rimec qui déjà bien mal en point. Très mal en point. Donc, nous finissons un full débat dans MMM. Dans tous les niveaux. À commencer par le bureau politique, le comité central. Si pas continuer à Rimec ou bien arrêter Rimec. Nous finissons décider, nous arrêter, nous casser Rimec. Mais pas comme ça, là, les airs. Pour une raison solide. Trois raisons seulement pour mettre du monde. L'unité nationale avant tout. Mais là, non, il n'y a plus important que l'unité nationale pour MMM. Mais c'est un mauvais dire qu'en janvier l'année dernière, un grand matin comme ça, à niveau de Jagnat, a décidé, numéro 3 dans le gouvernement Rimec, par les ayotines, bien sûr, garçon. Mais ça, pour moi, c'est un crime inacceptable contre l'unité nationale. Après, il corrigeait lui aussi. Ah, c'est un malentendu. Malentendu, pas malentendu, pas mon côté, moi. Et donc, Poutine, bien méfiant côté l'unité nationale. Mauvais coup. Deuxièmement, côté fraude, corruption. Nous, tu peux insister par une diagnale. Il dit, j'ai demandé de l'électrailleur dans l'affaire des points. Ça, encore, nous, pas vous casser, il y a dans l'élection avec lui. Il dit, oui,
Mais quand fini dire oui, lui-même avec son avocat, je te fais exactement les contraires, la cour, c'est avec toute qualité qu'il est intacté. C'est en même temps, il s'est pas qu'à tout va dire, on dit, on n'a pas envie. On dit, qu'est-ce qu'il fait, nous? Oh, car, dans une semaine fête d'anniversaire, parce qu'il m'a dit, on va arriver à dire, on va faire ça, la soirée, mon frère. Ça, si j'en fais un combat de fraude, corruption, après, c'est avec toute qualité qu'il est intacté, c'est dans l'affaire, mais le point, mais tout le monde, comment on va tout va? Et côté réforme électorale aussi, qui est un aspect fondamental de la démocratie. Nous, si on arrive à la conclusion qui peut couillonner nous encore une fois, c'est qu'il y a en 2005, quand soi-disant, à niveau de cabinet, MSN, en faveur fait la réforme électorale, après une envoyée de réforme électorale manger, nous fait un gars sentiment qui même affaire. Petit s'il vous plaît. Nous avons un sentiment qui fait couillonner nous pareil comme en 2005. Donc nous avons le remake, pas loin de coup de tête, pas parce qu'ils nous ont quitté à niveau de Jacques, qu'on a eu un vivant nous là. Non, parce que MSM à niveau de Jacques, tu peux bien faner. L'état remake, il finit, et là, il n'arrive ce qui n'arrive. Mais ce qui n'est pas changé pour nous, et moi, tenir à dire ça ce soir. Ce qui n'est pas changé pour le MMM, c'est son programme. Non, tu sais, l'élection comme en 2010, ou bien comment tu peux aller? On est un petit peu causé, non, mais c'est là. Ou bien remake dans l'air, ou bien travaillis, ce qui n'est pas changé pour nous, c'est le programme. Si pas accepter le programme, paye n'a aucune alliance. Le programme qui nous a tout seul, qui nous a dans remake, qui nous a les travaillis, le programme pas changé. Et le programme de notre collectivité. D'abord, faire de nos pays un modèle, un pays fort. Un modèle d'unité dans la diversité. Un modèle de démocratie, un modèle de combat contre fraude, corruption, et un modèle de développement économique dans la justice sociale et dans le respect de l'environnement. Ça, il n'est pas changé, ça. Et pareil, là, l'État, l'Alliance MSM, PNSD, ML, ML, l'État se dit de vide de la veille, je programme. Ok, programme celui. Parce que programme, c'est essentiellement même programme qui nous dit d'abord. Quand nous dit d'arriver, programme joli, programme sirop, programme joli, mais en l'espace 100 jours, qui n'arrive. Qui quantité vol face, qui quantité désillusion, pas fin fini, pas fin fini, là, dans l'espace 100 jours. Et aujourd'hui, la désillusion peut installer dans le pays. Je vais vous donner un exemple. Déclaration, grand déclaration pour nettoyer le pays, etc. Grand déclaration, mais dans la pratique, qui nous trouvait? Pas de nomination scandaleuse. Pas de nomination à la Madame Lac, nouvelle version. René, puis c'est ça, dans ce poste, vite, vite. Mais plus grave qui tout. David Rangoulan, Tintoui Lika. Là, Lika. De l'alliance actuelle, pire qui Lika. Mania, il nomme Timon. Timon qui nommé. Mania, il amène caisse la cour de la ferme. Bon, c'était la honte. Pire. Lika, il mourné. Lika qui prend un très mauvais départ. Lika qui mourné. FIU. Financial Intelligence Unit. Mettez un petit baba 30 bonnes années qui fait sur l'examen la loi. Mettez à la tête FIU qui fait, parce qu'il y tient employé dans firme Michibadin. Comme ça, qui peut donner l'exemple. Les trois VVIP, réunion nocturne. Vous connaissez. À ce moment-là, vous avez tenu la guerre des bookmakers en cours. Est-il dans MSM, tel bookmaker qui se protégeait. Un tel dans MSM, le concurrent. Tout le contribuer, ça va être les gros bailleurs de fonds dans les élections générales, c'est pas le groupe Pékel. Bailleurs de fonds, l'Alliance, MSM, PMSD, ML. Les gros bailleurs, aujourd'hui, c'est la guerre ouverte, c'est-à-dire pour mettre le bâton dans la roue. Causer, oui, grande déclaration pour ne pas les pays. Et voilà ce qu'il faut trouver là. Administration régionale démocratie. Une garde la loi aimée. L'autre côté,
d'Aldraïen la police. Pareil, comme à l'époque en Angoula, on fait un père. Et a vu les gens à l'aéroport, avec qui craquer, vraiment, il y a un père. Vraiment, pas un professionnel. Père, quand il arrive là. Donc, démocratie, mauvaise affaire. Et l'éclair qui réforme l'électoral, pas pour l'État. On n'a pas de réponse à niveau cabinet dans le Parlement. Et l'éclair qui prend une répétition de 2000-2005. Causé, avec Pénanan. Budget, pas de special funds. Ça dit, c'est pas poli, pas de special funds. Donc, on dit, on peut servir à des special funds pour qu'il y ait l'esprit d'essence et diesel. Mais prend 1 milliard 400 millions de roupies d'impôts consommateurs. Hidden tax budget. Et encore, on peut créer un nouveau fonds. Legacy Solomon Fund, mon cher. Et non, là, la liste va être décorée. Jamais il y a un sentiment de dégoût pareil dans le pays concernant la liste va être décorée. Jamais. Faire honteux. Moi-même, moi, on appelle belle décoration. Pour environ une décoration. Quand on regarde ça, la liste décorée qui est dans là. Dégoût. Et MDC, pareil. Où t'as le nouveau directeur général MDC, MDC sans rien. Alors, causer les grandes affaires, mais dans sans loi. Malheureusement, moi je dis bien malheureusement, hein, parce que c'est qui Aéro-Jacknat et compagnie pour faire, qui d'après nos programmes, nous vous donne backing. Et quand trahir, quand zigzaguer, quand on a une face, nous vous dénoncer. Et ils vont devoir, 100 jours à peine après l'élection générale, dénoncer cette mauvaise. Et là, budget aussi pareil. Budget, c'est une vaste opération pour le petit monde. Un vaste bluff. Et une occasion ratée, terrible. Parce qu'il faut même une élection générale, un nouveau gouvernement, c'est une occasion vraiment pour relancer l'économie là, pour créer l'emploi pour les jeunes et les madame avant tout. Une occasion ratée, terrible, un bluff. S'il y a tout côté l'emploi, et il y a beaucoup de dangers. On ne va pas pour rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de dangers pour nous, l'économie. Alors qu'il n'y a pas. Même à la veille élection générale, tu fais cause du langage de vérité. Ça m'est, depuis 1980, fini. Ça m'est, moi, pas accepter une couillon du monde quand on présente un budget, d'une empreinte du monde dans la vraie situation économique, pas un vrai problème. C'est faux qu'il puisse faire, et faux qu'il puisse faire. Donc, le budget final, bluffé, est l'occasion ratée. À ce moment-là, tu es là, tu demandes. D'abord, municipalité. Élection municipale. Nous avons fini par une. Un tel travail, ça. Nous avons recruté candidats, nous avons maximum jeunes, nouveaux, tout en respectant les vétérans, qui est là comme conseiller municipal, qui fait ce travail. Nous avons un tel travail devant nous, côté élection municipale. Nous avons un tel travail côté réorganisation du parti, qui en cours. Adjaï Ganes, ici présent, fait un travail formidable avec le secrétaire général adjoint. Nous pas des blablabla, nous. Nous pouvons faire, nous pouvons faire. Réorganise le parti en profondeur et de façon soutenue. Et écrire une nouvelle constitution. Et en même temps, on vient là, on peut calculer ça dans le dos. Puis ça relance pas le débat aussi. D'ailleurs, là, on peut penser, si bien, nous pouvons, dans les jours à venir, là, faire un bon. Conférence débat pour un même avant tout, mais pour tout le monde. Un petit peu pense un débat dont le thème la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Tunisie, tout ce qui peut arriver dans ce même pays-là, quelles leçons pour la gauche? Pas du monde de gauche comme nous, quelles leçons nous avons tirées de tout ce même événement-là? En France, en Grèce, en Italie, en Irlande, en Tunisie, PNA, FINENA, un grand grand bouleversement qui utilisait pour provoquer nos réflexions. Déjà, il y a un débat. Donc, parce qu'il serait réorganise le parti, réécrire une constitution, mais aussi relance, pas de débat. Donc, il y a beaucoup de travail, disons nous, et nous faisons des doutes, moi qui aujourd'hui le MMM, et n'a pas de meilleur à l'équipe des gens qui s'amènent. Bien satisfait, bien fier,
de l'équipe de Valjinson. Et mon pénal de tout moi, qui l'avenir appartenir au MMM avec sa l'équipe qui nous a actuellement. Et nous pouvons recruter de plus en plus du monde. Nous parlons de l'avant, nos salariés qui m'obéissent. Et moi, vous terminez le numéro 19. D'abord, on vous dire un mot spécial pour Deven. Sans Deven, dans sa circonscription-là, on va venir quoi vous faire. Et sans eux aussi. On tenir à dire un grand merci dans sa circonscription numéro 19. Parce que mon galop dans le carpet Maurice et Deven, dans sa circonscription-là, avec ce coup de main, pas de militant, pas de conseiller, au tenir à dire un grand merci, un grand bravo aussi, parce qu'il demande courage. Il demande courage, il demande une volonté et une conviction aussi dans la lutte, dans ce que nous pouvons faire. Et donc ce soir, à l'occasion de mon anniversaire, au tenir à dire à pas de militant, pas de conseiller, du numéro 19, à commencer par nos jeunes frères Deven, un grand merci et mon compte aux autres. Et on a un grand moment, dimanche, nous passons par une bonne année très difficile, mais on a un grand moment dimanche nous, moi je vais tout le monde avec l'équipe dirigeante du MMM aujourd'hui et avec ce pas de militant de sa circonscription numéro 19, l'avenir nous appartient, comme on dit en français, l'avenir dans nous la main, mais il faut donner le courage et nous en aller. Il faut donner la volonté et la maladie. Il faut donner aussi la force. Et nous pouvons aller de plus en plus pour nous réaliser, nous programmer avant tout et faire nous la lutte pour un nouveau départ. Merci pour ce soir, merci pour votre présence. Chers compagnons militants et compagnons militants, passez une bonne soirée. Dans une bonne année, à nous rejoindre.